s'agit dans cet exercice de répondre à cette question, d'effectuer deux calculs, 5 neuvièmes divisé par 6 onzièmes, et enfin moins 2 tiers divisé par moins 4 septièmes. Alors une vidéo de cours vous explique la procédure à suivre pour gérer les divisions de fractions, l'idée étant de dire qu'on va transformer la division entre mes deux fractions en une multiplication, à condition que le nombre d'après, ici c'est 6 onzièmes, on prenne son inverse, c'est-à-dire qu'on intervertit numérateur et dénominateur, ce qui va faire 11 sixièmes. La première fraction, le premier nombre, lui, n'intervenant pas dans le calcul, cela revient donc à faire 5 neuvièmes fois 11 sixièmes. On peut effectuer ce calcul maintenant, 5 fois 11 au numérateur et 9 fois 6 au dénominateur. Cela va faire 55 54e. Cet exercice était facile puisqu'il n'y avait pas de signe. L'exercice suivant qui vous est proposé est un petit peu plus compliqué. On a donc le premier nombre moins 2 tiers qui divise le nombre moins 4 septièmes. On s'aperçoit qu'il n'y a que des divisions, en fait, dans cette opération, et on va pouvoir appliquer la règle des signes. Ce premier nombre qui est ici, là, moins 2 sur 3, est donc un nombre qui est clairement négatif. Il va diviser un deuxième nombre, moins 4 sur 7, qui est négatif, et on sait que le quotient de deux nombres négatifs est un nombre, forcément, qui est positif. Du coup, on peut écrire directement ce calcul comme étant 2 tiers divisé par 4 septièmes. Il faut gérer les signes en priorité, en première étape, pour se simplifier la vie. Et maintenant, 2 tiers divisé par 4 septièmes, on va exactement faire la même façon que précédemment. On va transformer la division en une multiplication, à condition que le nombre d'après, 4 septièmes, on lui prenne son opposé. L'opposé de 4 septièmes, c'est 7 quarts. La première fraction, 2 tiers, ne change pas. Et donc ceci va être égal à 2 fois 7 sur 3 fois 4. Toute petite simplification ici, 4 est un multiple de 2. Donc on va pouvoir écrire ceci, 2 fois 7 sur 3 fois 2 fois 2. Et on voit qu'il y a 2 en facteur au numérateur et 2 facteurs au dénominateur. On peut donc simplifier cette fraction qui au final est égale à 7 sur 3 fois 2, 6. 7 sixièmes. Vous retrouverez la correction écrite de cet exercice ainsi que d'autres exercices corrigés sur le site matguillon.fr avec un cours complet. Vous pouvez retrouver le site en cliquant sur le QR code qui vous est donné ou dans les commentaires de la vidéo. Bon courage !